L'Ouganda a renforcé sa sécurité à la suite des menaces d'attentats du groupe terroriste Al-Shabaab envers l'aéroport international Entebbe. Le chef de la police ougandaise, le général Kale Kayihura, a annoncé des mesures antiterroristes pour empêcher une éventuelle attaque. Les autorités demandent à la population d'être vigilante. L'Ouganda a été l'objet de nombreuses menaces depuis l'envoi de troupes en Somalie dans le cadre de la mission de paix de l'ONU. Il est, depuis la date de 2007, qui avait fait plus de 70 morts, en alerte au terrorisme constante. Nous prenons des mesures antiterroristes supplémentaires. Au moment où nous parlons, nos forces spéciales de lutte contre le terrorisme sont sur le terrain, sous couverture et bien sûr ouvertement. Mais le déploiement général a pour objectif la dissuasion du terrorisme. Nous obtenons des informations de nos sources, de nos services de sécurité, des services amis et quelquefois même des médias. Al-Shabaab affirme qu'il va attaquer l'Ouganda. Nous les prenons très au sérieux et nous avons pris cette menace très au sérieux.